C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons en ce dimanche. Ben, par ailleurs, c'est toujours votre magazine 5 ans Star qui vous apporte les nouvelles culturelles ici en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous aurons le plaisir de parler balle de match. Balle de match avec une des voix du consortium musical de JB Mpiana. Il s'agit bien sûr de Gidèle Loco Trabendo qui viendra également nous faire part de son actualité au sein de balle de match. Mais dans l'heure, allons découvrir au menu, qu'est-ce qu'il y aura dans cette tranche assez spéciale qui va accueillir Wenge BCBG à travers la personne de Gidèle Loco Trabendo. Voici donc le tube du jour qui amorce cette émission. Il s'agit bien sûr du frère Crispin Tshibasu qui nous livre Lokuta ya Mbongo. Zamba
pambolaka talaka simate na talaka semote na ye motema motema ya 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 Mola kata la te colote, na te la case monte. Oh, monte mai monte bene. Sabato atongola mapeka te Atika kembolo kumwezonge baya ya yawe Ya yoko sali sabato bayeba Ya yoko sunga babwaze bayoka Amana pesa ke ye ye Nasombela ke ye ye C'était donc l'entrée au menu, bien sûr, de ce 50 stars en ce dimanche, avec une pensée hein, à toutes ces personnes dans l'Est. On apprend également, oui, après cette explosion, il y a eu des morts et des blessés. Nous compatissons donc, et oui, par rapport à nos compatriotes de l'Est, au-delà, bien sûr, de l'agression, nous sommes de cœur avec vous. Nous allons poursuivre dans ce 50 stars, comme je l'ai annoncé, ben... Et oui, c'est une visite éclair, hein, parce qu'il va nous revenir encore très prochainement en raison ben, de multiples demandes de Salvatore de la Patria, ben, qui en ce moment devra se produire. Mais Trabendo, ben, Gidel, a tenu à être au rendez-vous pour nous parler, nous donner le ton de Balle de Match, un album qui, depuis le 24 décembre dernier, est sur le marché du disque. Vous avez certainement pu... Oui, réécouter les 22 titres qui composent ce premier volume, parce que ben, on apprend qu'au mois de février prochain, ce sera le deuxième volume, et au mois d'avril prochain, ce sera un troisième volume. Alors, J.D. Loco, ben, c'est un plaisir, Trabendo, pour une première fois dans 50 stars. Vraiment. On te reçoit avec beaucoup de plaisir et on te souhaite d'ores et déjà une belle année 2023. Merci beaucoup, Bobo. Alors, tes impressions, premièrement, dans Télé 50. Non, ça va, j'ai aimé, surtout le plateau, classe, modernisé, quoi. Donc, ça va, c'est vraiment dans les normes. Dans les normes, ouais. Voilà. Ben, on le fait pour vous, ben, pour les téléspectateurs également. Ouais. Nous sommes dans la télé-réalité, comme on peut le dire. Alors, la grande nouvelle, c'est donc Balle de Match. Mm-hmm.
pas de match avec une signature, Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est le titre. Titre de Trabendoa. Romosambela. Mais non, mais mon frère, dans toutes les circonstances, il faut glorifier l'Éternel, mon frère. Kola Mouka, Eza Blakite, qu'on respire, ou la Moukina Tongo, une respiration. Donc, il faut toujours adorer Nzambe partout. Même dans le travail. Au moins, avant tout, dans l'émission, on a mon chanson à Kitoko et Nzambe, ça lit bien. Donc, voilà. C'est pas qu'il y a community ou bien pasteur, non. Non, mais bon, donc, le titre, hein, au moins, ouais, le titre, ainsi dit l'Éternel, bah, tu sais, ah, bon, Gidèle, ouais. Malgré que Pémé n'a pas chéri, mais bon, à Kenin à moi, c'est l'amour, il va adorer le Seigneur. Ouais. Est-ce que la chanson dit ainsi, ainsi dit l'Éternel? Oui, oui, parce que dans la chanson, donc, nous avons parlé, bon, parce qu'on parle de Dieu, on voit l'amour, donc on voit tout, quoi, hein, tout très bien, Mahamoutouza Kitoko, donc voilà, l'amour, patience, fidélité. Donc on a globalement tout dans ainsi dit l'Éternel. Essayez un peu qu'on effleure ben, par des paroles. Hein. Par exemple. Oui, il faut le dire jusqu'à là, il n'y a pas encore de clip, donc on ne saura pas vous le livrer. Et on peut quand même parler de cela parce que c'est en promo déjà. Déjà au début, dans ce moment-là. Bolimweza la campasi soki ozanga lokoyo motemelinga kao. Kolela lela butu mwiko swami non ambeto motote. Nanya yawa. Na kokate, kozanga moto lingaka, na motema gijou mayela. Yaka e, kopo yate pardon, Jimmy Chauve, je t'aime. Parti en mango. Je t'aime encore. Misete linga ikota la par-ci par-là, ce qui la doit kei wapie. Gijou okobo mangai, commerce abamoureux, capital et nango, je t'aime. Bénéfice nango love, perte, séparation. Kopo yanga ite nako salamanka Orlando. Donc c'est un peu ça. Alors, en ayant écouté le Baron, parce qu'on va y revenir, parce que c'est à titre de souvenir, et oui, en attendant bien sûr la réalisation du clip Ainsi dit l'Éternel, tout le monde est aux agipena na kati à fond et à wenge. Si quoi on dit au bimin à fond et à wenge pour nous produire une musique. Et qui n'a pas Guaya. L'inspiration, c'est non, et ça là, même dans Wenge, dans Wenge, il n'y a pas de Guaya. Sauf une, par exemple, le titre RDC. Oui, dans l'indice qu'on a pas de match. Oui, mais. Parlons de balle de match. Voilà. Donc, tu es sorti du lot, faut le dire, parce qu'il y a eu plus de rumba. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé? Ok, n'est qu'un esprit ou un agoya. Une différence? Non, na linga qui moi, quand même moi mélange zala, zala kate rumba parce que moi ces derniers temps, tout vraiment se focaliser qu'a beaucoup plus na rumba. Donc on dirait ben dis-moi le gars ben du jongo négocie la masoute, ben l'overlay négocie la masoute, ben moi même connaissais négocie la masoute. Alors c'est pour cela n'a pas que non, ben tu vas quand ça gratte que tous agan na rumba donc on peut nakiner na moi style mais pratiquement tu étais le seul il y a Nzé Omo za na Seven non il y a aussi mon collègue Zulumboda il est avec moi style moi puis za na Seven donc vous êtes seulement les deux et puis là bas générique le côté dansant par rapport à alors on va quand même on va souffler d'abord parce qu'on va revenir sur Gidèle pour parler de cet album les conditions dans lesquelles ça fait pratiquement 12 ans, il n'y avait pas d'album sur le marché. Alors, le moral de l'artiste que tu es au sein de Wenge BCBG, Ezaki Nehemi, est-ce que c'est l'une des raisons qui a poussé disparition de Bino dans le média? Bon, normalement, pas disparition dans le média, parce que tout ça, on a des porte-paroles valables pour défendre l'orchestre. Et nous, nous sommes là les travailleurs, comme le lot album est Bimi. Donc, nous sommes obligés peut-être de passer pour faire un peu la promotion. Quoi. Mais sinon, c'était pas facile. Donc pour nous, les épreuves Moko, je crois que était épuisé sur mon bébé la vie. Donc moi, je crois que toujours mérité mon ma médaille. Sans album pendant 12 ans, et beaucoup bêta, beaucoup sépé le sabbat tout, ma fête, ma kermesse, ma mariage et tout ça. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, je crois qu'il y a une polémique des albums, qu'est-ce que nous sommes nous vendre sans album pendant 10 ans, en tout cas, c'est fini quoi. Down. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est pour cela que nous avons dit que nous avons dans les circonstances. Donc Dieu nous a fait grâce.
10 ans sans album. Morale était toujours au zénith. Papa chéri, a boosté, bisous toujours. Travail, travail. Et voilà, ça donnait. Balle de match. Donc, voilà quoi. Et vous allez sentir. Ah, ben on va sentir comme on va le faire à l'instant. On va revenir hein, sur quelques années, ben une douzaine, si pas une quinzaine d'années bien avant. Alors, à cette époque, ben Gidel signait un titre, Le Baron, ben, que nous allons découvrir à l'instant, pour vous permettre de ruminer tout d'abord un petit souvenir. Et puis, ben, vous allez avoir à le juger par rapport au temps. Qu'est-ce qu'il aura fait dans Ainsi dit l'Éternel ? C'est pour très bientôt, mais pour l'heure, allons donc découvrir Le Baron. Salvador de la patria. Ah ouais.
maman, Richard Tite à Balobito, Roger Mundeke, Roger Mainanga, Charles Ilunga, Temba, Kayembe, Ira, Chombango, Socrate, Mainga, Messie le Crocodile, Profant Antolo, Yamana, Lukulasi, et Avema, Jean-Marie Abalavou. Le titre Le Baron, ben, plus d'une quinzaine d'années. Quand vous vous rappelez à cette époque? Ah, belle époque, hein? Tous là ensemble. Ah, bah, Joey Star. Ah, ouais. Oh, on te salue, hein, cher confrère. Joey Bangato Star. Ouais. Vraiment, vraiment. Et ça l'a bien. Ça l'a bien. Au moment où il y a guerre à ma casse. À l'époque, là, au moment où on sentit Wenge BCBG, mes hommes, Banini. Donc, et voilà, c'est la famille qui prime maintenant. Mais à cette époque également, il y a eu un certain rajeunissement et Kotakiwana et combien de titres à moi n'est une polémique. Et puis la structure a été, je dirais, reformulée à la Papa Chéri pour dire Bomoko. Alors, est-ce que ce Bomoko dans balle de match, on le sent ou bien les arrières? Si, on le sent. On le sent vraiment, grave même. Ce qui vraiment l'a dit l'album du début à la fin, au moins on a comment nos jeunes frères bah, s'exprimer et puis qui tombe ma casse. Entre... Oui, oui, toujours soutenir bah, on a Bakker pour qu'il bah, s'exprime très bien. On dit début à la fin, donc Bakker, on a donc cours des grands. Alors, si on devra retrouver tes couleurs, Nakati a ainsi dit l'Éternel. Et là, on est il y a la choix, peut-être, il y a ma voix. Pour que Ebimandenge Batbaso au Kango en morceaux de la Gouaya et puis jusqu'à qu'il n'ait cheminé. Oui, bon, tout ça là déjà, couleur moko ya chorale na BCBG. Ah, donc, tu adoptes quand on dégage outil 4x4, on a BCBG. Dégage ben Pela, ben Mela Batika, et puis tu adoptes en haut, et puis tu façonnes en moi, mon kéto pèse en moi, couleur, tu embellis en haut, il y a une couleur naïe. Et voilà, style, on a vraiment un kokorako. C'est débarrasser d'un côté d'un cœur quoi. Donc voilà, mais bon, on a préféré vraiment qu'on chante beaucoup plus en solo pour s'exprimer encore de plus par rapport pour na jiki jiki peu. Bêta toujours, bah, style, n'a mon repris, n'a pas d'espace, n'a pas collègue, mais cette fois-ci, on a voulu m'en dos à l'endio avec Papa Chéri. Et voilà, ça donnait une belle couleur voilà, quoi. Alors, pendant les. La décennie là, au Salinzembo, au Zumbonga Mabanga, Badazozela. Ton moral pendant tout ce moment là était comment? Est-ce qu'il y a eu des moments d'harcèlement? Libanga, Kolonzembo? Pas vraiment, pas vraiment. Sur l'andi dans l'album, on a compris que la plupart Bato Babi dans l'album, ce sont des vrais vrais. Donc, Bissou Bato Bando soutenir sur la BCBG. Bazagima Bato ba vrai vrai, c'est pas pour yomoni papa chéri binadam a bengra ba vrai vrai. Donc c'était pas facile ma soutenir l'orchestre pendant 12 ans sans album, mais on a dit que en tout cas, il faut qu'on pèse ba mission papa chéri ba médaille. C'est pas donné à tout le monde qui est de rester comme ça sans album. Parce que ta bacons heureusement, ton travail est dur. La preuve année moni ba le baron, hein, moni ba Omba. Bah, clin d'œil. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que à chaque fois tant beau soit occasion ça l'album, faut que ça l'album vraiment avec travail mogo dire vraiment quoi. N'est pas au ça l'album vague vague et puis après 2 mois, 3 mois bah t'as bossé na bangwa donc. Yo mo moni album sans clip à part clip il y a Zebuka mais bah tout bah combien bah Nzembo bah 50 ans bah Simbi Piri bah raisonné. Bah, Eru, donc vraiment, non, non, mon aboueté. Vraiment. Bah, coup de chapeau. Bah, merci. La décennie dans le travail, donc, aura payé aujourd'hui avec. Et surtout, boulot, à l'époque, mon qu'il était un ami. Hein? Confinement, on doit sentir que aux autres banques, on tout en même, on corona, mais on doit forger. Ah, vraiment.
y a mon avoir ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Cela se réalise en fait. Vraiment. Oui, après un bon bout de temps. Mm-hmm. Et on peut que dire félicitations à Papa Chéri. Donc, merci. Et oui, surtout. L'album marche assez bien. On voit déjà dans les réseaux sociaux, en audio. Et oui, ben, chaque chanson obtient sa mention spéciale. Voilà. Et c'est quand même une bonne chose. Alors, Trabendo, c'est comme si pendant tous ces 10 ans, on te retrouve au four et au moulin. C'est-à-dire que Nachan, il y a une progression. Mais apparemment, la section danse là, on dirait apparemment une rosongue là. Parce qu'on sent par rapport à Papa Chéri, mais tu es toujours à ses côtés. Et le pas de danse, c'est ce qu'il y a quand même. Tu fais aussi office de créateur de danse? Non, je ne suis pas créateur, je suis chanteur-danseur. Mais bon. Trabendo, Bomanzoko. Toujours, quand Papa Chéri, on est censé dans ma concert. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est pour dire quoi? Non, c'est juste pour me motiver. Je suis un motivé, un leader. Moi, je suis autant en train de leader. Et ça, il a cotisé moi. Moi, je suis un bon pour qui. Après ça, on marque un moment, c'est pour dire quoi en fait. Non, mais voilà, mon colo. Oui, un maillot, tout là. Mais bon, un moment, il ne faut pas partir. Sauf un moment, il faut qu'on ait battu. Moi aussi, ça nous a coté. Donc, si on a un moment, je partage avec les gens. Donc, voilà. Alors, c'est très bien. Alors. À part Ainsi dit l'Éternel, on te retrouve également dans d'autres chansons. Oui. Tu t'exprimes également. Oui, donc bon, souvent, Bandi, Mbou et Bimine, à premier volume, beaucoup plus, préféré qui va découvrir nos jeunes collègues. Dans le deuxième volume, pour découvrir l'espace à ma vocale, les Bandi, Mbou et Bélé. Puis dans le troisième, pour découvrir, donc on découvre Bandi, Mbou et Tolbert, Bandi, Mbou et Rouma, moi, Papa Chéri, Bandi, Mbou et Rio. Donc moi, l'espace est belé, donc pour découvrir. En tout cas, l'album est costaud et puis il est vraiment agréable quoi, à l'oreille. Au total, il y aura combien de titres? Parce que si un premier volume, déjà, oui, avec 20 non, titres... Non, bon, déjà, avec premier volume, comme il y a un titre belé, deuxième volume, il y aura normal, et puis troisième, il y aura normal. Donc, ça, on va avec ça, c'est vraiment terrible. Bon. Il y a public qui a pendant 10 ans ou bien... Non, mais... Quand même, il y a un peu de temps. Il y a 12 ans. À 12 ans, il y a 8 ans, 8 ans, 9. Même si tu as un volume, premier, deuxième, troisième. Donc, quand l'album est une balle de match. Et après, chemin de fer. L'homme doit se battre. L'album qui doit arriver. Papa voilà. Chéri l'a annoncé sur RFI en lançant également un message fort, en parlant également de cette réalisation artistique qui aura duré plus d'une décennie. Les raisons, il les a donc évoquées dans cette interview avec Claudicia sur RFI. Nous avons tous suivi et surtout il met l'accent sur la façon d'épicer cet album avec beaucoup de couleurs, comme on vient de le découvrir par sa voix, bien sûr, Trabendo, qui nous livre un secret, comment il a pu travailler en studio, pourquoi il a misé sur la Goyave, c'est pour faire une différence et également marquer le ton avec cette série de Seben. Alors, Seben, on a Zebuka, parce que c'est avec ce titre qu'on va se quitter tout à l'heure. Zebuka, l'unité de la nuit. Zebuka. Buka dans it. Zebu. On s'est bien allouqué tout. Mais c'est quoi? Il y a Mboka. Donc, Papa Chéral Nazong, ça résume ici vraiment. Zombie animation générique na place nango parce que générique est au tengama générique comme ça pour bayo kango faut que la sanité et tout ça mais au côté là générique na biso Zebuka du début à la fin donc toujours plus ça ramatea toujours plus ça maloba bien et puis Zebuka donc toujours conjugué en donc verbe Zebuka au temps présent. On l'a suivi attends je Zebuka voilà à la manière de Papa Chéri. Alors bon. On va quelque peu se quitter parce que tu as un concert à livrer tout à l'heure. Donc on va se dépêcher de nous livrer, de te libérer pour que tu puisses rejoindre toute l'équipe. Merci. Mais lorsque tu te mesures à balle de match, tu te dis quoi après la décennie? Waouh, fantastique. Vraiment, c'est un album mérite beaucoup de choses, vraiment. Parce que c'est un travail collectif. Donc on sentit vraiment que guitare. À Sololi, batterie et Sololi, congas et Sololi, basse et Sololi, vraiment, c'est waouh. C'est waouh, vraiment. Vraiment, consommer balle de match, vraiment, nous avons profité au PSA, Bébert et tout, le manager boss. Bah, merci Bélé, c'est une dernière vraiment nous booster, donc c'est bien. Consommer balle de match, vraiment, c'est très bien, c'est agréable, c'est une nouvelle façon d'écouter quoi. D'écouter la musique.
Donc c'est un peu ça. Et pour les grands rendez-vous, ils sont nombreux en train de te suivre. L'occasion est donnée pour nous livrer également. Normalement, chaque mercredi, j'ai dit, tu répètes ça, na, gestar. Mais comme l'album est bimé, juste là, tu as un concert, tu as fait, tu as animé, tu as arrêté pour que tu se concentres dans l'album parce que ils ont un travail, ils ont un faux, tu as une matière pour traiter un cas là. C'est un incident de l'Internet depuis 2014. Donc il faut qu'on travaille les sous pour que tant que tu as un tableau, tu as préparé pour présenter le public. Donc, besoin son, lumière, chant, spectacle, donc en couleur. En couleur. Voilà. Alors, c'est pour très bientôt. Hein. Donc, il reviendra vers nous pour nous indiquer le lieu où les BCBG devront peut-être se tenir tous les dimanches, parce qu'on sait, Papa Chéri move beaucoup, mais bon, un endroit fixe sera également important pour nous. Toujours des disciplinaires ? Toujours. Toujours discipline. Vous avez entendu. Voilà. Ange Poï, voilà, la réponse est donnée. Il est toujours à sa place, en train de bien gérer. Et on sent la discipline au sein de BCBG. On te félicite pour ça. Merci et beaucoup. On te souhaite plein succès dans Ainsi dit l'Éternel, en attendant le clip, espérant que ça viendra. Bientôt la même. Bientôt la même. Bientôt. On l'espère bien. Alors, certainement des vœux, parce que tu n'as pas été avec nous à Télé 50 le 1er janvier. Vraiment. Alors, tes vœux, à quel endroit? Oui, d'abord à Jean-Marie Kassamba, Mervé. À toi-même. Merci, très honoré. À mon boss El Salvatore de la Patrie, à Papa Chéri Motopamba Binadama, Merveu. À toute la famille BCBG, Bomoko toujours. À ma famille, à Micheline Moudiaye, à Maman Néné, en direct de Montréal. Kéliane. Bon rétablissement à JP Anzuluni, JP Mbouyi, Philemon Siala, on est ensemble. PDG Kababa Katanga, Tete Tedai, Maboko Banque, Freddy Plic, toujours. Michel, André, Ayou, on est ensemble. Donc voilà quoi. Les BCBG étaient dans nos murs. Balle de match, c'est l'élan qui va être donné à partir bien sûr de Gidel Loco Trabendo. Sans oublier les leaders de Dallas, Guijou Maela, Yayo Angwana, Wabarikle, Mister DS Dadi Soso, Mouke Katanga, toujours. Achille Samba, on est ensemble. Allez, toujours ensemble et pour vous, pour votre plaisir, on va danser donc avec JB Mpiana parce que le titre c'est Zébouka, ça casse la baraque, tout le monde Zébouk, nous allons Zébouker avec vous à l'instant avec JB Mpiana El Salvatore. On a du gaz et du pétrole, parlez encore. Zama Kambo. C'est bon. Mon général Serge Boa, le DGC. Adjo, la Souba. C'est bon. Le président Bongo. Rémi Ayayos, le Mahatma. Le conseiller du Noël Ngoya. Papi Mboma, sans complexe. Et il s'abata. Samalou Kondé, excellence. Le baron, Vissortis, Chimene. Rav Kabengel est le grand frère. Aïe 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 na sebouke. Aïe 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 na sebouke. Aïe 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 na sebouke. C'est bon. Mayo, trésor Banza. C'est bon. Talamabini sebouka. Patron beau gosse. Yeah, sous l'outil de la patrie. Voyons bien la voix, mon sang.
de coco kombui, c'est la taille. C'est qui? Chéri Ben Tanzani. C'est qui quoi? C'est elle. Descendant de Yakweli. Voilou. 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 Le maniaque du dollar. Claude Gomez. Mohamed Fofana. Alex, le sniper du boss. Angouloubeli, Lyon dans son Angouloubeli. Maréchal de Rielo, Chagal Chiki et Mouloubeyo. Amadou Djabi, le big, boss Bachili. Angouloubeli, Sipé Bopen Angouloubeli. Dévolé Lissimo, Kayana Yimi, procédure judiciaire. Gentilhomme Patrick Bologna, oui, tiens merveille. Molendo Sarkombi, le noble. Lucato, 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 Luganenica, le pourvoyeur. Lucato, Lucato, Patrick Chapa, le millionnaire japonais. Lucato, mon général Chico, Jitamboué, Delta Force. Le bijoutier Rodrigue Nguesso, le parrain J.C. Kabongo, Arc-en-ciel, l'homme de Matignon. Nous voici de retour après ce beau clip hein, Zébouquin avec JB Mpiana, Papa Chéri. Ben, l'album Bande de Match est d'ores et déjà disponible. Vous venez de l'entendre de la voix de Gidel Loco Trabendo que nous avons dû libérer en raison de cette série de productions tout à l'heure. Ben, vous les habitués, vous savez où retrouver le plus souvent Papa Chéri dans des festivités. Comme vous l'avez vu sur cette affiche, il est indiqué la parole à. C'est l'une des rubriques de cette émission. Cette fois-ci, nous allons donner la voix à Freddy Wanga Jazz Royal, qui est un artiste musicien RD congolais, résident du côté de l'Angleterre. Vous avez eu certainement à vous plaire en savourant, et oui, balisage, Tosengi Balisage et à Fleuve Congo.
Il revient sur une autre dimension, il parle de la romance cette fois-ci dans Give Me Some Love, c'est le titre actuel qui est en promo, mais quand même avec une interpellation. L'artiste est un penseur, comme à l'époque il avait déjà fait avec Balisage et Fleuve Congo pour interpeller les politiques congolais sur la nécessité et l'importance du balisage du fleuve Congo. Il revient cette fois-ci en interpellant également le gouvernement à intégrer une catégorie de personnes, les autochtones bien sûr, dans le gouvernement. C'est son propos, c'est sa pensée. Nous l'écoutons, bien sûr, accompagné avec Give Me Some Love. Oh, mais c'est un mystique. Tu vas dire tout le temps dans la news. Jazz Royal, le grand penseur, Freddy Wanga. À côté, avec le plaidoyer, balisage du fleuve Congo pour le développement durable de notre pays. Bah, tout vendra à Bouna News, bah, Jazz Royal. À côté, avec le président Fachi, le gouvernement Izobi Masika, a nommé Bapig Mepe. Pour pendant je ne sais pas combien d'années, Bazalarata n'a gouvernement. Oui, président Fachi, ça le logo maréchal à Salaka, Mobutu. Oui, Yamabe Bouaka, mais oui, il a bien récupéré. Nommé ta pygmé moko, ministre ta agriculture au mona boulot. Ata ebi français te, sale logo te. Français mouté sala à boulot te. Expérience mouté sala à boulot. Tout va n'y gagabou, bah! Ya Freddy Wanga, Jazz Royal, a kangami ga place wana. Na gouvernement sika, il faut pi pygma zala. En tout cas, mes merveilles de bonheur, na komi directement conseillé par correspondance ya président Fachi. Et puis, na zana ba boule. Il y a tourisme, oui, qu'on va nous coûter 10 milliards de dollars dans Katamboka wana. Mais, avant tout, n'appelez ça mon président Fachi, il faut n'en nommer ba pygmé. Je vous en prie, président de la République, nommez ba pygmé, et voilà que ça qui vous a le peur de la nation. Thank you. I love you. May God bless Congo. May God bless président Fachi. Bye bye. Wanga Jazz Royal depuis l'Angleterre, c'était l'occasion pour lui, d'émettre un message à la nation, comme tout Congolais qui a libre expression, qui pourrait également émettre une idée. Ben, il appelle à la non-récupération parce qu'il n'y a eu aucun des conseillers, d'après lui, qui aurait donné cette idée au président de la République. Il y tient, pourquoi pas, des autochtones au sein du gouvernement, parce qu'on sous-entend qu'il y aura un remaniement très prochainement. Pourquoi ne pas intégrer également les Pygmées qui auront le pouvoir des décisions également dans ce pays ? C'est la pensée d'un artiste
qui également l'étale devant le grand public. Alors cette fois-ci, nous allons atterrir dans cette émission, dans le dernier virage, pour parler du folklore. Il y a également plusieurs tribus ici en République démocratique du Congo. On parle de 150 territoires, on parle de plus de 400 dialectes. Et chacun dans son coin pourrait également faire valoir de son talent culturel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ricardo Bonjomène. Je pense que... Bonjov. Ah, je pense que j'ai bien dit. Hein. Parce qu'il paraîtrait, ben, ça signifie beau garçon en portugais. Alors, je pense que Rosette Kilanda Moko, tu nous suis depuis Luanda, je pense que je l'ai bien dit. Ricardo Bonjov. Ouais. On dira quoi? Bon tardé? Oui, bon tardé. Allez, bon. Bien Koya chez Bissot. Merci. Merci vraiment, c'est Pelé. Alors, ça fait combien de temps aux Aranomi Mikota Angola? Non, Angola... Beaucoup des années, hein? Mm-hmm. Plus de 20 ans, on a évolué à Kanangakuna. Nazakuna, mm-hmm. Nasala vraiment famille Nangakuna. Alors, musique en Bandi, Awa, ou exportant au Kuna ou bien. Ouais, ouais, musique na Banda, on a RDC, na province Nanga. Et quand on s'est retrouvé en Angola, on a préféré na continuer quand on a rythme, wana. Donc on a formé un groupe Nanga, on a évolué dans Otilelo. Et ça, pratiquement, folklore basé sur quelle culture? Ouais, culture pende. Kazam pende à 100%. Culture pende. Donc, folk, ils appellent folklore comme Yambonda, Marimba, Kakate, mais tout modernisé, folklore moderne, donc traduit moderne ou quoi. Les gens qui sont artistes, c'est tout, moderne, il y a betaka, il y a guitare, piano, tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Donc, ça, la traduit moderne, il y a culture pende. Alors, ces jours, on a Kinshasa, ils ont s'inscrire dans le cadre de promotion ou bien. Bah, production, ils ont annoncé à peine à RDC. Naïe peine à cadre promotionnel, na ba production peine à Rosala Nango. Nazana na voyage moko ya province ya Kasai, na ville de Chukapa et Pananga, na mabele onga na Botama. Donc na Rosala kuna bientôt à partir le 22, na zozo avion na kita Chukapa. Nazana des productions kuna, na ville ya Chukapa moko, na territoire moko. Après na mata Kinshasa pour na voyage au Sepel Sabana et Kinshasa. Et en même temps, tu as la promotion de l'album Nabiso Yangangolo. Titre en anglais? Ouyangangolo. Qui veut dire? Ouais, veut dire forcé. Il y a Ricardo Bonjov que je suis. Donc, Mingi Bakanisaka, on dirait pour l'Isolo, on fait pour les Simba. Il faut qu'il y ait un banzela, mon robot. Or, que c'est du courage. Donc, moi, il faut qu'on ait courage pour réussir dans la vie. C'est ça, au moins, Ouyangangolo. Et vous avez la première œuvre artistique Nao bien. Non. Oui, vous avez la même quatrième album. Nanga. Mm-hmm. Quatrième album, il y a l'orchestre Ndongo Pende. Donc c'est ça, dans le cadre promotionnel, parce que le producteur a ça. On doit produire un gars à Kinshasa, que je salue vraiment, Maître Dona Bienge. Donc on a préféré que Ricardo Azala na Mabele, dans le cadre promotionnel, dans la production, tout ça. Ça se passe comment? Tant que le fief Noisa Kassai, entre-temps, tu chantes la musique PND. Ramification, mais ça m'a demandé, parce que je sais que le band Dundu est relié au grand Kassai. Est-ce que la musique PND est à peine assise dans le Kassai ou est-ce qu'elle a déporté vers l'Angola? Ouais. De quelle manière? Musique PND est à la Kassai, est à la band Dundu. Ouais, PND est à la band Dundu, est à peine à Kassai. Mais sans oublier que Mpende a outa Angola, net biso toza a résident vraiment na kati ya Luanda na Angola. Donc musique n'angezo beta na Angola, ezo beta na Bandundu, ezo beta pe na Kinshasa. Donc partout Mpende a se retrouvé. Et pourquoi pas bikolo misusu pe? Parce que musique eza sans frontières, eza pe na batuka bazana pour na rythmique wana, mélodie en zembo et salier pe sentiment wana a se retrouvé. Moi, je suis un peu artiste, c'est félicitations, je suis un peu courage, tout ça, donc c'est ça. Il me semble, Ricardo, le fait de moderniser ce folklore, est-ce qu'ils ont perdu la vraie valeur dans le côté? Parce que, nous avons un peu de coco, Oui. La valeur nango. Un Georges Brassens, je sais pas du côté de la Belgique, qui tant sous Césaria Evora du côté de Cap-Vert. C'est vrai que c'est la musique du territoire. Monde des arts évolué, bisoté tout au bandi nango. Je salue mon boss, mon vieux, mon idole, oncle Sadou. Yé a betali kembe wanate marimba wanate. Donc on a moment na singaka pena ke ba moderniser les solo avec guitare. Donc on est singa na outa na orchestre na ye.
na utana orchestre na ye na zwa idéologie wana na kenda nango na ndenge ya ngola nde na za ko évoluer nango tsilelo ezaka avancement ya makambu ndenge za ko évoluer lelo donc to ko se limiter kaka te na mbonda marimba donc faut qu'on moderniser makambu ango po to évoluer net c'est parti seigneur son ndenge baza ko évoluer mais na ndenge na ba tso il faut ba découvrir musique pende na ndenge li solo de tso la boue ba instrument de base les arabes avant que guitare wana ndengo lobi ero bakama mais o ezalaka penza o bino bo puiser et pas ya bakoko parce qu'il y a moins de valeur il y a musique wana o instrument de base surtout mbonda ya ngonde pena instrument de base ya kipende ya culture na biso mbonda wana ya ngonde marimba donc c'est ça moi na bato ba yibi faisant musique tant sous pendete ou bien il y a le grand bandundu n'est-ce qui déporté de l'Angola. Différence ni négoza là entre folklore pende nabachoko par exemple na ngebino mo bozana na kata culture en autobi et communauté pende betaraboué mais sur la bido tant sa ngota so pa bachoko kuna et aux attend susu na genre susu ba yakapi ba na genre na bango différence ngoza rani d'après yomoro en tant que musicien pratiquant il y a folklore pende non différence c'est vraiment comme tel les athées. Presque biso tout aux autres beta folk wana tout ça la folk qui modernisé déjà net ndé na otu koloba donc bazongo bazana style na bango oyo ba beta ka mpende pe azana style na ye mais biso ku tout aux autres la kaka folk wana mtu to azo défendre culture na ye donc nga na za wana Ricardo bonjour na beta marimba té na beta likembe té mais na ye pe na la période oyo ba modernisé déjà culture na biso wana avec guitare les pianos. Donc, ndenge parti c'est moderne ba betaka. Ndenge penda toza ko évoluer. Donc, yo se limiter na donc to bani au longo le par mbunda donc likembeza sote. Non, likembeza li. Likembeza li ezana ba nzembo senga penda beta likembe. Donc beti. Alors, on va le découvrir hein, à l'instant à travers ces images en tout monde dans les productions Moro. Ouais, oui, au premier voyage nanga na Salaki, ya province nanga ya Kasai. Première production na kenda ki na konti ya fondation Dona Bienge maison de production nanga et senga ki na kita wana poto célébrer une année ya existence ya fondation na biso donc na zala ki wana na beta ki na livra ki 3 concerts de retour na Kinshasa na zo zonga sous les 20 pour la continuité à Moussala. Alors on va quand même voir hein, en illustration et certainement la production qu'il a dû livrer devant des milliers de personnes comme on peut le découvrir à l'instant. C'est parti avec Jocelyn Toumba. Izembe magemage Bolingo magemage Izembe magemage Oh male Papala ete nufuwa Moshi marita chukwana C'est bien Dona Bienge Les jeunes patrons Japonais Kaku Chetia Manel Fumia
la gente. Ya ya wa eta mwembe. Tora bienge wa eti galio. Tora bienge funa gipute. Tora bienge funa gindongo. Verchule. Vendre la culture congolaise, c'est ce que nous avons mieux à faire. Et oui, parce qu'on ne se limitera pas seulement à la rumba congolaise. Il faudrait également jeter le regard sur toutes ces musiques, et oui, à travers la République démocratique du Congo, pour en créer une richesse. Voici donc d'autres richesses, au-delà des stars que nous pouvons avoir. Ben, ils font également les stars de l'autre côté, dans les provinces, parce que ce rassemblement de gens, il faut le dire, ben, le public a confiance en eux et se déguste également beaucoup de mets artistiques à travers leur langage musical. Alors, Ricardo, aux ans en séjour, on a eu une première visite à Chicapa, retour sous les allées sur Chicapa pour d'autres productions. Alors, ben, date Nango, ils ont lesquelles? Voilà, na ozana Chikapa le 22 janvier awa na ozana Chikapa le 28 nazana premier concert na stade ya Dibumba le 30 nazana territoire na Kitangwa. Mm-hmm. Donc na Bokasi ya Fondation Mwizu Regi ba sollicita ki artiste musicien pour akende inauguration ya fondation na bango. Donc Fondation Regi Mwizu na Kitangwa tokozala wana le 30 les 28 c'est Nachikapa. Et quant à l'album Sogo ba public no il faut baser l'ango et Rosala disponible quand? Non, album Nabiso audio est déjà disponible sur chaîne YouTube Nabiso Ricardo Bonjour officiel. Ezo bazo consommer yango déjà. Donc on a profité retour nanga na orchestre Mobimba to za peine tournage des clips à na ville à Kinshasa. To retourner nzembo ya producteur Nabiso na générique awa donc parce que tout ça peut avoir besoin pour un cadre promotionnel. Dans le cadre promotionnel, donc il faudrait retenir ces rendez-vous du côté du Grand Kasaï avec l'artiste Ricardo Bonjov. Ouais. Alors, tant que aussi ces émissions, dans le Linga Suko, pour la mission qui pende, c'est-à-dire que le peuple pende à Yokayo. Ouais. Deuxièmement, dans le cadre de la mission à Luanda, pour le moment où on a moi qui portugais, pour Baïba, pour Zong à Luanda, Kokenalo Chikapa, Nagozonga Losu Kinshasa. C'est ça. Tu peux chez mal. Sans problème. Je suis ici, Ricardo Bonjov. Et aujourd'hui, en Kinshasa, grâce au meu patrocinador, Maître Dona Bienge, qui convida au groupe à banda musicale Ndongo Pendi, qui s'encontre de moment no Chikapa. Et je suis ici, en Kinshasa, pour pouvoir organiser. Depois de là, no Chikapa, vamos estar aqui em Kinshasa com todo o grupo. Muito obrigado. Maître Dona Bienge, vous dire voilà quoi Maître Dona Bienge pour invitation yenji producteur Wandongo Pende, votre invité mon nom ma voix à Kinshasa et Chikapa pourquoi pas
orchestre yendu ko se retrouver mu kikapa emenguli muno mu cadre ya organisation après chikapa chuluko kala lya di mu Kinshasa kushangulisa public et. Merci beaucoup maître Dona Biyenge le njuki vadiwa. Merci beaucoup maître Alexis Kingombe, Crispin Biyenge le financier international. Merci. Voilà, ben nous sommes au terme bien sûr de ce 50 stars. Les rendez-vous sont donc pris avec l'artiste, un accueil chaleureux. Ben, c'est à vous de le faire. Le 22 janvier, à l'aéroport de Chicapa, voilà. Il sera des vôtres pour une série de productions, comme il a pu donner les dates. Mais si vous voulez également atteindre l'artiste, vous n'avez pas passé par son manager au plus 243 97 17 77 172. Le 09 71 977 172. Je pense que vous avez noté. Et pour atteindre également le bureau de l'artiste du côté de l'Angola à Luanda, où nous saluons Nadine Kilandamoku, on pensera donc à vous donner le numéro plus 244-92-48-13-071. Le plus 244-92-48-13-071 pour atteindre l'artiste Ricardo Bonjov. Et ben, il est disponible pour vos productions. Autant que je pense à Pidico Siméchant, ben, Zolux, nous sommes là à Kampala. Ben, oui, plutôt à Luanda, j'allais dire. Nous ne sommes pas encore du côté de la Tanzanie, mais du moins à Palanca, vous pourrez trouver Pidikos Méchant avec la maison Bolux. Voilà, ça définit pour aujourd'hui. Ben, nous vous remercions pour votre attention particulière. Certainement un brin de musique pour nous quitter avec Au pas de danse, bien sûr, de Ricardo Bonjov. Et la prochaine, ce sera donc la semaine prochaine. À vous tous, chers amis du dimanche, on vous salue et nous souhaitons un prompt rétablissement à Marie-Hélène Mayalou, Star Plus 1, en train de nous suivre depuis quelque part ici à Kinshasa. À vous tous et à vous toutes. Au revoir et à très bientôt. Don't have you ever had a mumble? 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 Don't have you ever had a mumble?